Why? Aye, aye, aye. Got it, Kent. Font déclaration de compagne. Vous avez des déclarations de compagne. Font déclaration de compagne. Chacun, chacune, chacune, chacun. Font déclaration de compagne. Font déclaration de compagne. Why? Une déclaration de compagnie. Musicien, beaucoup de déclarations, beaucoup de déclarations. Oui! Une déclaration de compagnie. Musicien, musicien. Chacun, chacun, chacune, chacun. Oui! Aïe, aïe, aïe. Oui! Ça s'appelle ce matin déclaration de compagne. Ah. Et quand on est sur chaîne 48, Kembemen, et au moins, cherchons mon Nakai ou Kembemen, depuis qu'on entendait l'évangile uniquement, il va vous même convertir, il va vous même convertir. Depuis qu'on entendait l'évangile. Quand on est sur chaîne 48, au Brésil, oui! Quand on est au Brésil, au Canada, oui! Pasteur Petro, toi, tu frère Réginal, frère Grégory Altides, madame Grégory Cotoy, aïe aïe aïe, oui! Pour bagaille qui a passé, oui! Tout au coup, il a qu'à. Qui a autant? Oui! Oui! Aïe, aïe, aïe. Voici où pour nous, ça. Son déclaration. Amen. Dès que vous finissez ça, vous n'avez pas besoin de plus loin avec la non? Vous avez trop reçu pour être en gloire. Vous avez trop reçu pour être en gloire. Vous avez trop reçu pour être en gloire. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui.
Aïe, aïe, aïe. Attaque, il y a la couteau bien. Oui, 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 oui. Vous, aïe, aïe, quel. Vous avez trop reçu pour être en gloire. Oui, 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 oui. Est-ce que si on compagne ça? Oui. Regardez, grand prophète en Afrique qui dit nous sommes maintenant en Matthieu 25. Un prophète a dit. Un prophète en Afrique, dans la zone de Kenya, a dit, nous sommes en plein de Matthieu 25. Nous sommes pleinement de Matthieu 25. Au milieu de la nuit, il y a un cri. Le prophète a dit, la nuit, c'est le monde des ténèbres. Le temps où les ténèbres sont épaisses. Il a dit, selon le prophète David Oviol, nous sommes en plein de Matthieu 25. Les cinq forts et les cinq sages. Il a dit, selon le prophète, la vraie église maintenant est en train de se réveiller. Parce qu'on a crié, voici l'époux. Vous avez trop reçu pour être en gloire, mon chita. Oui. Vous avez trop reçu pour être en gloire. Alléluia. Alléluia. Et pendant que je suis en chair, pendant que la présence de Dieu m'envahissait, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, demandez à la foule, demandez à l'assemblée, qu'est-ce que Job avait reçu? De qui il avait reçu la notion de Dieu? Qu'est-ce que Job avait reçu pour qu'il menace cette mode de vie? Et que Dieu
se trouvait dans l'obligation pour dire à Satan, il n'y a personne comme. Le Seigneur m'a dit de demander à l'église qu'est-ce que Job avait reçu. Pour que le Seigneur a dit de lui, il n'y a personne comme lui sur la terre. S'il avait reçu un enseignement de qui? Il avait reçu une formation théologique de qui? Vous me dites de qui? Les imbéciles théologiens qui sont dans le monde. La façon dont Job a connu Dieu de sa vie, s'il avait reçu une formation théologique, s'il avait reçu une formation philosophico-théologique, s'il avait décroché un master, un diplôme, une maîtrise en théologie, de quelle école, de qui? S'il avait décroché un diplôme en doctorat, un doctorat en théologie, un doctorat en divinité, un doctorat en quoi que ce soit, en anthropologie, en ces sciences-là, en quoi que ce soit. De qui? Tandis que Dieu rendait témoignage de lui, il n'y a personne comme lui sur la terre. Oh! Je n'ai pas le choix. Je suis envahi là. Ce n'est pas ma faute. Si vous pouvez me pardonner, pardonne-moi. Si vous ne pouvez pas, je m'en fous. La théologie d'aujourd'hui rend l'homme bestial. Et d'aujourd'hui, ce que nous pouvons constater, tant qu'on apprend la théologie, tant qu'on est charnel, tant qu'on est bête, tant qu'on est matérialiste, tant qu'on est rusé, coquin, et je le dis au prix de ma vie, mais je dis la vérité. Monsieur le théologien, lorsque Job a appris la théologie, pour qu'il connaisse Dieu dans cette dimension, aujourd'hui, on voulait nous dire que c'est lorsqu'on est pasteur, on peut connaître Dieu. Lorsqu'on a passé quelque temps sur des bancs théologiques, dans une école soi-disant théologique, c'est à partir de cela qu'on pourrait connaître Dieu dans la réalité et qu'on appelle serviteur de Dieu. C'est un mensonge. On n'a pas besoin d'apprendre la théologie pour être en gloire. On n'a pas besoin de passer 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans en théologie pour être en gloire. On n'a pas besoin de cantiques pour être en gloire. Oui! Quel était le titre ministériel de Job? On n'a pas dit qu'il était un diacre. On n'a pas dit qu'il était un pasteur. On n'a pas dit qu'il était un prédicateur.
On nous a bafoués, on nous a éliminés. On nous a caché le vrai chemin pour pouvoir trouver le vrai Dieu. La théologie d'aujourd'hui nous a empoisonnés. Vous n'avez pas besoin d'apprendre deux cantiques pour être en gloire. Vous n'avez pas même besoin de s'asseoir dans une classe de nouveaux convertis pour être en gloire. Si vous le voulez. Le Seigneur a dit de Job, alléluia. Le Seigneur a dit à Satan, concernant Job, comment tu vas? Tu viens de promener sur la terre, sur la planète Terre. Oui, je vois que tu viens de promener sur la planète Terre. Mais Job, il y a plusieurs qui citent mon nom, il y a plusieurs qui utilisent mon nom. Mais il y en a un qui est exceptionnel. Il y en a un. Il s'appelle Job. Tu l'avais vu? Il s'appelle Job. Oui, je l'ai vu. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'était pas évangéliste. Il n'était pas prophète. Il n'était pas docteur. C'est pas ma faute. Pardonnez-moi, j'ai quelque chose en moi qui me cite à parler ainsi. Job n'était pas un évêque. Job n'était pas un archevêque. Job n'était pas un surintendant de mission. Il n'était pas issu. Il n'avait pas ses grades. Il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Et pourtant, il n'y avait personne comme lui sur la terre. Il y avait la déclaration du Dieu vivant. Si vous croyez dans la Bible, je ne sais pas. Mais moi, je crois dans la Bible. Si vous ne croyez pas dans la Bible, je ne sais pas, ça c'est votre affaire. Moi, je crois dans la Bible. Si vous dites que la Bible est un livre d'histoire, est un livre de contes, est une romance de contes, je dis ce qu'on ne vient pas, mais moi, je crois dans la Bible. Alléluia. Job n'était pas même un ouvrier. Un ouvrier de quel ministère? Job n'était pas même un ouvrier consacré. Alléluia. Mais Job, mais de qui il a appris? Il a appris cette notion de Dieu, la façon dont il servait Dieu. De qui? Je ne sais pas. Alléluia. Mais je pouvais apercevoir que dans son cœur, dans son tréfonds, dans son tréfonds de son âme, il ne permettait pas que quelque chose vil soit entré dans son inconscient. Mais
Même par là, de qui il a appris ça? De qui? De qui? Aujourd'hui, vous avez besoin de 50, 200, 200 cantiques. Aujourd'hui, vous avez besoin de beaucoup de réunions. Vous avez besoin beaucoup de services d'adoration. Vous avez besoin beaucoup de versets. Vous avez besoin beaucoup de lectures. Job n'avait pas de la Bible à cette époque. Non seulement il n'était pas prédicateur, il n'était pas pasteur, il n'était pas évangéliste, il n'était pas docteur, il n'était pas prophète. Encore, il n'avait pas de pasteur, il n'avait pas de prophète, il n'avait pas de docteur, il n'avait pas d'évangéliste, il n'avait pas de prédicateur, il n'avait pas de diacre, il n'avait pas d'adorateur, il n'avait pas d'évêque, il n'y avait pas d'apôtre, il n'avait pas d'apôtre, il n'avait pas d'apôtre. Et pourtant, il est un homme de gloire plus que nous tous qui sommes au présent. Et pourtant, Dieu a témoigné de lui dès son époque, et je pense jusqu'à présent. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous avez trop reçu pour être en gloire. Vous avez trop reçu. Vous avez trop reçu pour être en gloire. Mais en l'eau, vous avez trop reçu pour être en gloire. Et ce qu'on dit, vous avez trop reçu pour être en gloire. Pour être exceptionnel. D'aujourd'hui, nous nous mêlons dans la mêlée. Et tandis que le Seigneur a dit concernant Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Voilà, voyez-vous bien ce que le Seigneur attend de nous. Pour qu'il n'y ait personne comme toi. Et cela ferait la gloire de Dieu. Moi, je cherche cette gloire. Voyez-vous bien comment la gloire de Dieu s'était manifestée dans la vie de Job. Voyez-vous bien comment Dieu s'était glorifié dans la vie de Job. Il n'y avait personne comme lui sur la terre. On voulait me blâmer le monde des imbéciles dans le monde évangélique. On voulait me blâmer parce que je cherche Dieu. Et on criait, on voulait dire sur tous les réseaux sociaux, je me faisais comme le seul dans le monde évangélique. Avez-vous une Bible? Lisez-vous Job chapitre 1er, chapitre 2. N'avez-vous pas une capacité quelconque de lire un verset? Vous n'avez pas une manuelle de Bible? Votre manuel de Bible ne contient pas de Job. Chapitre 1er, le Seigneur a dit de Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Le Seigneur a glorifié devant Satan. Le Seigneur a glorifié devant Satan de la vie pratique de Job. D'aujourd'hui, nous vivons dans un monde théorique, un monde de bluff. Un monde d'apparence. Comme la politique haïtienne. Nos églises évangéliques sont comme la politique haïtienne. Est-ce que vous m'entendez ce soir?
politiciens haïtiens, tous les politiciens ici, dans ce pays, sont des discoureurs. Sont des grands et beaux discoureurs. Et pourtant, ce sont des mangeurs d'hommes impitoyables. Moi, je le dis sur la base de la vérité. Ce sont des mangeurs d'hommes impitoyables. Ce sont des antipatriotes impitoyables. Alléluia. Et messieurs, je le déclare sur ma foi chrétienne. Et si notre sol arrive d'aujourd'hui dans cette situation, les présidents, les gouverneurs du passé de ce pays sont des responsables. Vous n'avez pas besoin d'accuser le peuple. Vous n'avez pas besoin d'accuser le sol. Le sol possède déjà toutes ses richesses. Vous n'avez pas besoin d'accuser la communauté internationale, quoi qu'elle ne soit pas innocente. Mais quand même, si on a pas de poison, il faut me garder ça et poison. Si les Américains pouvaient m'entendre, je leur dirais, ils ne sont pas innocents dans la situation haïtienne. Si les Canadiens pouvaient m'entendre, principalement le gouvernement, je lui dirais, monsieur le gouvernement, vous n'êtes pas innocent dans la situation haïtienne. Alléluia. La situation évangélique dans notre pays, sur ce soir, le Seigneur m'a dit, la foi des guerres, il m'a dit que la situation de l'Église est similaire à celle du pays. Le pays possède des richesses pour que les étrangers de partout viennent travailler ici. Mais pourtant, nous sommes des parias dans le monde. Parce que nous n'avons pas la capacité, nous ne voulons pas exploiter nos richesses, et nous n'avons pas la capacité d'exploiter nos richesses. Et le monde est international nous rit et se moquait de nous. Alléluia. C'est de la même façon, nous avons des richesses en Jésus-Christ. Dans cette Bible, nous avons des richesses inépuisables. Et pourtant, nous nous appauvrissons de chaque jour. Et pourtant, nous sommes dans une pauvreté spirituelle chronique. Même notre richesse, notre vie économique, socio-économique est là-dedans. Et pourtant, nous sommes pauvres économiquement. Job ne prêchait pas l'évangile. Job ne prêchait pas de l'époque la prospérité. La prospérité. Job ne prêchait pas la prospérité. Job prêchait la droiture. La justice, l'intégrité, l'humilité. Job pratiquait
la sensibilité. Et puis, il est devenu le plus riche spirituellement, et le plus riche économiquement, le plus riche socialement. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez tout reçu pour être en gloire. Vous avez tout reçu pour être en gloire. Seulement, le Seigneur m'a dit de vous parler de Job. De qui Job avait reçu ses enseignements. Et pourtant, Job savait quand ses fils sont venus de... de fêter un anniversaire ou bien une festivité, vient de faire une festivité quelconque. Moi, je me demandais de qui il a appris ces choses. Job offrait des sacrifices à Dieu pour ses enfants, au cas où pendant la fête, peut-être, ils auraient commis des erreurs de péché. Job a offert des sacrifices à Dieu en leur faveur. Mais de qui il a appris toutes ces choses? Seulement, une simple connexion. Une simple connexion personnelle avec Dieu et avec la notion d'humilité, la notion de la simplicité, la notion de justice. Seulement ça pourrait vous mettre en gloire. En tout cas, vous avez tout reçu pour être en gloire. Vous avez tout reçu pour être un homme puissant. Vous avez tout reçu pour être une femme puissante dans le Seigneur. Vous avez tout reçu pour remporter la victoire sur les démons qui vous persécutent. Vous avez tout reçu pour être en gloire contre les faiblesses qui sont en vous. Bonhomme, ici, ont des dizaines et des centaines de cantiques en vous-même. Job n'en avait rien. Vous avez tout reçu. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, ta vle, ouais, la gloire. Abébri et nan.